Salut tout le monde, ici iPhoneTHQ. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jailbreaker avec le logiciel Snowbreeze, la version 2.6, donc qui vient tout juste de sortir, qui permet de jailbreaker de façon untethered la version 4.3.2 sur le iPod Touch 3e génération, iPod Touch 4e génération, l'iPhone 3GS, iPhone 4 et le iPad 1ère génération. Donc l'iPad 2e génération n'est pas encore compatible. Les équipes de développement de jailbreak travaillent toujours pour réussir à jailbreaker l'iPad 2. Ça va sûrement venir d'ici peu. Donc c'est ça là, je vais vous montrer aujourd'hui avec Snowbreeze. Dans le fond, Snowbreeze, ça crée un custom firmware, donc c'est très utile pour les iPhones. Donc les utilisateurs qui ont un iPhone qui ont besoin de désimloquer leur appareil, qui veulent préserver leur baseband. Donc Snowbreeze, il crée tout le temps des custom firmware qui préservent le baseband. Donc ensuite, on peut toujours le déverrouiller. Donc le unlocker avec Ultra Snow sur Cydia. Donc je vais parler un petit peu de Ultra Snow tout à l'heure. Il y a quelques petits trucs que vous devez savoir pour le firmware 4.3.2. Donc, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça vous prend premièrement? C'est tout simplement Snowbreeze, la version 2.6. Ça vous prend aussi le firmware 4.3.2 de votre appareil. Donc, comme dans toute vidéo, je vais prendre mon iPod Touch 4e génération, mon iPod de test. Je vais vous débloquer ça avec Snowbreeze. Donc, j'ai mon firmware 4.3.2 de mon iPod Touch 4e génération et Snowbreeze. Pour aller chercher Snowbreeze, on va tout simplement sur internet, sur le site ihsnow.com. Donc vous n'avez pas besoin de marquer ça ici, ça va directement dessus. Ensuite, vous cliquez sur Download Snowbreeze. Ça va tout simplement vous amener sur un lien Hot File. Vous faites Regular Download, puis vous attendez les secondes et vous téléchargez l'application Snowbreeze. C'est une quarantaine de megs à peu près. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous devez seulement l'extraire. Puis ensuite, vous avez votre dossier Snowbreeze. Donc vous double-cliquez dessus. Snowbreeze ici, version 2.6, on double-clique dessus, on va le lancer. On va accepter. Et ensuite, on a ici Snowbreeze qui ressemble à ça. Donc, on a tout simplement à faire OK. Et fermer les credits. Donc, ça dit que la version 2.6 c'est pour le 4.3.2. On va cliquer sur la petite flèche bleue ici. Et là, ça dit tout simplement de glisser l'IPSW ici ou tout simplement aller chercher. Donc, moi, je vais cliquer sur Browse. Puis aller chercher mon firmware original d'Apple 4.3.2. Donc ici, iPod 4 4.3.2, Open. Là, ça va l'identifier. Et par la suite, ça va dire que j'ai sélectionné un firmware de iPod Touch 4e génération. On le laisse travailler, il va trouver ça. Ça ne devrait pas être trop long. Donc pendant ce temps-là, je vais vous montrer que je suis bien en version 4.3.2 sur mon iPod Touch 4e génération. Donc je vais dans les réglages, général, information, ici version 4.3.2. Voilà. Là, il identifie toujours, il y a peut-être un problème, je vais le fermer. Puis on va le réouvrir. OK, close credits. La flèche, Browse, on va chercher notre firmware 4.3.2. On va laisser le temps, peut-être que ça prend plus de temps que d'habitude. Et voilà, donc iPod Touch 4, 4.3.2, 8H7, donc il a été identifié correctement. On peut cliquer sur la flèche. Ensuite, on va sélectionner le mode expert. On clique sur expert mode, on clique sur la flèche. On va sélectionner general. On va cliquer une fois sur suivant. Ici, on peut activer le battery percentage. On peut activer également les gestures, donc les multitasking gestures. Ensuite, on peut activer aussi les boot logo animés. Installer le SSH aussi. Puis ici, pour l'iPhone, vous pouvez l'activer. Donc, je vous conseille de cocher là-dessus quand vous avez besoin de activer votre téléphone. Donc on peut cliquer sur la flèche ensuite. Ça c'est si vous voulez installer dans votre custom firmware directement des paquets Cydia, des sources Cydia directement dans le custom firmware. Moi je les installe via Cydia. Donc je vais cliquer sur la flèche et ensuite on peut sélectionner Bold IPSW et faire suivant. Donc ça nous propose de jouer à Pac-Man comme toujours. Moi je vais faire No Thanks. On va attendre un petit peu. Donc ça devrait pas être trop long. Et voilà, donc là il est rendu à la dernière étape, donc Creating IPSW, il fait la dernière étape, ça devrait bientôt terminer.
fois que cette étape-là va être finie, on va avoir terminé de créer notre custom firmware, on va pouvoir directement passer notre appareil en mode DFU et ensuite le mettre dans un mode DFU parfait avec iReb pour qu'il puisse prendre les custom firmware avec iTunes. Donc on laisse tout simplement travailler pour qu'il termine la création du custom firmware. Et ensuite, Snowbreeze, il y a comme iReb d'intégrer à l'intérieur, donc on va pouvoir le mettre dans un mode DFU parfait. On va le laisser travailler. Et voilà, donc là il est terminé. Marqué Done. Donc on peut tout simplement cliquer sur OK. Ça va vous dire DFU Panner. Donc c'est pour la même méthode qu'avec Green Poison. Donc on fait Please Turn Off Your Device. Donc on va mettre notre appareil à off. Puis après ça, on va suivre les instructions de Snowbreeze. Donc on passe 3 secondes sur le Power Button et on éteint notre appareil. Une fois éteint, on peut cliquer sur Start sur Snowbreeze. Ça veut dire « Prepare to press Home and Power ». Donc dans 2, 1, on passe les deux boutons en même temps pendant 10 secondes. On attend. On relâche le bouton d'en haut et on maintient le Home button pendant 15 secondes environ jusqu'à temps que Snowbreeze, mais en fait iReb, il reconnaisse notre appareil. Donc voilà, ça dit « Running iReb ». Vous pouvez lâcher le Home button. Ça veut dire que votre appareil est maintenant dans un mode DFU parfait. Donc si vous voyez un écran noir, c'est que c'est correct. Donc on clique tout simplement sur OK. Et on peut fermer Snowbreeze. Donc là, on va être prêt à restaurer avec iTunes. Donc on a notre custom firmware qui est ici. Donc Snowbreeze iPod Touch 4 4.3.2. Donc on peut ouvrir iTunes. Donc là, iTunes, il a dit que votre appareil est en mode restauration. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement cliquer sur OK. Puis on va cliquer sur la touche Shift sur notre clavier. En même temps, on va cliquer sur Restaurer. Donc on fait Shift, Restaurer. On va aller chercher notre custom firmware de notre iPod Touch ou notre iPhone 4.3.2. On clique dessus, on fait Open. Là, ça va nous demander est-ce que vous voulez vraiment restaurer en 4.3.2. On fait Restaurer. Ça va faire l'extraction du logiciel. Et ensuite, on va voir que notre appareil va commencer à restaurer. Puis pendant la restauration, je vais vous parler de Ultra Snow. Donc, j'avais dit que j'en parlerais pour le unlock de notre iPhone. Donc, si on a besoin de préserver notre baseband, puis l'augmenter en 4.3.2 par la suite, si on veut le désimloquer avec Ultra Snow, le Ultra Snow original de la source de la Dev Team ne fonctionne pas au 4.3.2. Il fonctionne le 4.3.1. mais pas pour le 4.3.2. Donc vous devez ajouter une source dans Cydia et installer Ultra Snow Fixer for 4.3.2. Donc la source va être dans la description. Vous ajoutez cette source-là. Puis ensuite, vous installez Ultra Snow Fixer for 4.3.2. Puis votre DSIMLOC va fonctionner. Donc c'est aussi simple que ça. C'est juste qu'il faut changer la source. Donc là, on va laisser notre appareil se restaurer. Et voilà, donc là c'est la fin de la restauration. Donc il nous reste tout simplement à attendre que notre appareil redémarre. Voilà, donc là iTunes nous dit un petit message, on doit tout simplement faire OK. Et là on va laisser notre appareil redémarrer, puis ensuite on va voir Cydia normalement, puis ça va être un appareil jailbreaké. Donc là je peux laisser mon ordinateur de côté. Puis on va rester sur notre appareil. Donc là, mon iPod Touch est redémarré. On va le laisser redémarrer. Il va tout simplement s'activer avec iTunes. Vous laissez iTunes ouvert, puis il va s'activer tout seul. Donc, j'ai pas vraiment besoin de vous montrer comment faire pour activer un iPod Touch. Je pense que tout le monde sait comment. Faut juste le connecter à iTunes. Et voilà, donc là il est activé. Simplement à le déverrouiller. Et voilà, donc si on s'en va dans la deuxième page, on a Cydia. Puis on est à la version
Information 4.3.2. Donc, il fonctionne très bien. Puis, si je lance Cydia, et voilà, ça fonctionne. Donc, dans le fond, ça fonctionne très bien en 4.3.2, un jailbreak on Tether. Donc là, j'ai pas de connexion, c'est normal, ça fasse ça. C'est ça, c'est iPhone KHQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchUserPro.com. Merci beaucoup, au revoir.